Coucou, je vous reprends nouveau vlog. Nous sommes à lundi. Je rentre tout juste, c'est le matin, de la poste pour envoyer les dernières boxes de juin. Ça fait bizarre en fait, il y avait plein de monde. Et j'arrive avec mes petites boxes, tout ça, ma carte pro. Et là on me dit, madame, venez, passez. Oh, si vous insistez. C'est gênant, mais à la fois j'avoue que c'est quand même, c'est quand même très cool. Donc ça, c'est fait. Après, je suis passée à Inter, notamment pour acheter les fameux masques taille enfant. J'espère que pour le coup, ils vont pas être beaucoup trop petits. Je vais tester ça. Et puis, j'avais 2-3 bricoles également. C'est la fête de la musique. Nous, on voulait ce soir aller boire un coup en ville ou manger quelque part. Mais visiblement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, Eric m'a dit, je vais repérer. Je vais voir même s'il faut faire quelques kilomètres. J'ai envie, lui il a fait de la musique, il adore ça, donc on va voir, peut-être que ce soir on va bouger un petit peu. Des nouvelles évidemment de ma maman, elle me dit pas tout, hein. Elle est passée à la maison, c'était hier ou avant-hier, et évidemment je lui dis comment tu vas, alors elle boitait, hein. Et elle me dit non ça va, je dis je peux regarder s'il te plaît, donc elle lève le bras, et là c'est tout noir, tout jaune. Sous le bras aussi, au niveau des fesses, j'ai pas regardé, hein, mais j'imagine que c'est la même. Et non, elle te dit, oui, j'ai un peu mal, mais c'est supportable, tout ça pour pas aller faire la radio. Donc je lui ai dit, écoute, tu es une grande fille, tu fais bien comme tu veux. Je pense que si vraiment ça devient insupportable, elle ira, mais bon, que voulez-vous? Voilà où on en est. Moi, je suis persuadée qu'elle s'est cassée une côte, ou fêlée une côte. Bon, dans tous les cas, je crois que tu... Enfin, il n'y a rien à faire si ce n'est du repos, mais quand même, j'aurais bien aimé qu'elle consulte. Je vais ranger mes courses quand même. Je suis coiffée n'importe comment, mais n'importe comment. On peut savoir ce que tu fais. Hein? Il n'y a rien pour toi là. Inter, j'y vais pas hyper souvent, mais j'avoue que j'aime bien, parce qu'il n'y a pas grand monde, c'est à taille humaine. Les fameux masques pour enfants. Je vais en essayer un tout de suite. Il aurait fallu peut-être un entre-deux, parce qu'en fait, au niveau des oreilles, ça tire. Ça te tire bien. Bon, pour ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que maintenant, tu vas le porter que dans les magasins. J'avoue que si je devais le porter 8 heures pour bosser, ça serait pas possible. Mais bon, ça va être de la dépannerie quand même. Oui, je suis là, je me fais vacciner deuxième dose vendredi. Vendredi. Mais mon médecin m'a conseillé de me faire tester avant la deuxième dose. Et on devrait se faire tester avant pour... parce que si t'es immunisé, quoi, en fait, ça ne servirait à rien. Mais il faudrait faire une prise de sang et tout, je sais pas. Je me tâte. Bon, j'ai défait ça, je range, j'ai repris mon eau micellaire qui n'a pas besoin de maquiller. Ça, c'était au rayon quoi d'ailleurs, rayon bio, c'est sans gluten, ça a l'air sympa, hein, des petites gaufrettes, chocolat, je ne connais absolument pas. J'ai repris ça, qu'est-ce que c'est bon, avec des chips, pareil, il n'y a pas de gluten là-dedans, ah bah c'est la même marque, ok. Petit sandwich pour le gars Eric. De la micellaire encore. Alors, je vous explique. Bon, déjà, je nourris le Jackie. Le Jackie qui est mal élevé, qui ne peut pas attendre. Tu permets? Ne te comporte pas comme ça, s'il te plaît. Je ne vous ai pas pris de l'après-midi. Il est 19h. Parce que j'ai bien bossé. J'ai pas mal de bordereaux. Les premiers bordereaux pour la bourse de juillet. J'ai appelé des partenaires, des fournisseurs. J'ai... le cadeau de la box gold d'août, trop beau, je vous le montrerai bientôt finalement, attends, et je ne sais pas si je vous ai dit, mais Eric avait dans l'optique donc faire la fête de la musique, et comme il n'y a pas là où je vis, il a regardé, il m'a dit j'ai trouvé, je sais où on va aller, ça va être surprise, j'ai toujours un doute sur ces, des fois c'est très limite, et il ne voulait pas me dire, je dis bon ok, donc j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, il est 19h, et c'est le moment, plus ou moins, d'y aller. Seulement, il pleut vachement. Il va y avoir de l'orage. Donc, je crois que c'est compromis. Est-ce que c'est pas plus mal, peut-être? J'avais envie d'aller manger au resto ou de manger. Enfin, j'avais envie de frites, j'avais envie de manger. Mais là, je crois que c'est mal barré. Hein. Ouais, laisse tomber. J'ai regardé effectivement la météo. Ça s'annonce pas terrible, tout ça. Donc, je vais quand même lui demander, mais il veut même pas me dire où c'est. Ça se trouve, il n'avait rien de prévu. Mais non, des fois, il a des plans un peu chelous quand même. Vous entendez? Hier, il y a eu des grêlons, mais des glaçons. Eric m'a ramené des glaçons énormes. Tu pouvais les mettre dans ton verre et prendre la petite lumière là-dedans. Ah ouais, c'est annulé. Ne sois pas déçu parce que t'as loupé la course. Vu que c'est le déluge, je pense que c'est foutu là. Oui, ce que j'avais dit. Tu peux me dire quand même ce que tu avais prévu? Deux chambres en trou. Oh la vache!
Ça fait une bande. Il est 20h, Eric est parti nous chercher un petit plateau repas gastronomique McDo. Voilà, la valeur sûre. Je me suis démaquillée, on va se mettre devant la petite série. Tranquillement, il n'y a pas besoin de regretter. Hein. Ça n'évolue pas, c'est pas beau du tout. Ah, je crois qu'il arrive. Il faut que je vous montre quelque chose. Le nouvel endroit de Jack, il aime bien. Il se met comme ça au-dessus des coussins. Donc à chaque fois, il faut que je les tapote parce que monsieur les tasse. Mais que voulez-vous? Moi, je peux pas hein, face à une telle mignonnette. Je craquosse. T'es mignon? Voilà ma tête, no make-up. Parce que vous me dites, oh, on ne voit jamais no make-up. Alors, bon, ben voilà. Quoi. J'ai un bouton qui me fait mal ici. Je sais pas à quoi il est dû. Est-ce que c'est l'auto-bronzant? C'est possible. Mais j'aime pas parce que forcément ça fait tête de fatiguée quoi. Coucou, nous sommes le lendemain, je suis en train de préparer le café pour Eric. Je vous ai dit, il a pas cours cette semaine. Il fait bon aujourd'hui. Il fait bon, mais Jack est là. Et en général, ça signifie qu'il va faire très très chaud. Je suis prête. J'ai ressorti ma tunique. Je l'adore celle-là. Je trouve qu'elle, bah forcément, après il faut connaître sa morpho, mais pour ma morpho qui est comment on dit, en X, je crois, un truc comme ça, et bah c'est parfait, ça marque la taille, hop, ça part comme ça vu que j'ai des hanches, là je l'ai mise vraiment jambes nues, forcément il fait chaud, et hyper jolie, très confortable, très fluide. Alors l'autobronzant je n'en ai pas remis, j'attends que ça parte un peu, la tache, enfin la brûlure, elle se voit pas mal, et grosse angoisse, mais à chaque fois, attendez, vous n'allez pas la voir. À chaque fois, à chaque fois, je me tape un délire. Là, vous voyez, ça fait comme un grain de beauté. Je suis là, oh non, c'est quoi cette tache? Elle est vachement foncée, en fait, ça amplifie. Et pareil, sur le visage, c'était une tache de rousseur ou un machin, l'autobronzant amplifie. Et chaque année, je sais que je suis en angoisse, je suis là, putain, je l'avais pas vu et tout. Je la mesure, je regarde l'aspect, et puis dès l'instant où l'autobronzant se barre, la tâche s'atténue également. Voilà, donc pas de panique. Tout ça pour vous dire que voilà, petit look du jour, hyper confort et plutôt très mignon. Donc, programme du jour pour moi, bah, je finis mes derniers, les petits bordereaux. Et après, bah, coup de téléphone, parce que j'ai repéré des articles que je voudrais intégrer pour septembre. Ce que je peux vous dire concernant août, la box d'août, j'ai demandé à avoir l'exclusivité concernant un produit qui sera dans la box. On est sur un produit make-up. Mais c'est une nouveauté, j'ai demandé à avoir l'exclusivité, c'est-à-dire qu'aucune autre box all over the world ne pourra l'avoir. Je vais avoir la primeur du lancement et je trouve ça trop génial. Donc j'ai bien négocié, même les prix. Donc dans août, on aura un peu de make-up, on aura... peut-être un petit bijou, on aura d'autres choses, je dis rien. Elle est quasiment bouclée également. Et je vous dis là, je suis sur septembre, octobre. Et ce qui est top, c'est qu'il y a déjà des personnes donc, qui ont pris abonnement 3 mois. C'est-à-dire qu'ils ont pris... abonnement 3 mois ou abonnement 6 mois déjà? Non, ils ont pris 6 mois. Ce qui veut dire que certains vont déjà avoir la box de décembre, donc de Noël. Ça va être du lourd. Ça va être du très très lourd dans ma tête. J'ai des idées de malade. Ça, ce sont tous les premiers bordereaux. Il m'en reste une vingtaine à faire. Et sans doute d'autres, puisqu'on est le 22 juin, ils peuvent commander encore pendant 20 jours la box de juillet. Ça fait déjà pas mal, hein. Ce que vous entendez derrière, ouais, c'est la machine qui va pas tarder d'ailleurs à sonner. Donc ça, c'est bon. Je vous prends pendant ma pause goûter. Ouais, je goûte. Et ça, là, je m'attendais à un truc tout petit. Tu parles? C'est bon. Oh, ça ressemble aux les Duplos, un truc comme ça. Excellent. Et je voulais vous dire que, pour tous mes amis belges, qui m'ont toujours soutenue dans tous les projets que j'ai pu faire depuis le début, que vous pouvez, depuis une heure, enfin ça y est, ça a été fait cet après-midi, franchement, je pensais que je l'avais fait sur le site, et non, c'était pas activé. Vous pouvez enfin commander ma box, parce que je recevais des messages en privé me disant, et j'avais pas percuté, je me dis, bah,
bizarre ça. Donc c'est bon, ça y est, c'est ouvert la Belgique. Et je devais vous dire autre chose. Non, je pense que je vais devoir arrêter. Ah oui, il y a eu un orage tout à l'heure, tous les jours. Moi, ça, je peux pas dire que ça me gêne. Je préfère que ce soit là plutôt que la nuit. Parce que quand t'as un orage, on sait qu'après, c'est la fraîche et tu dors bien. Je vais devoir arrêter maintenant parce que derrière, il y a tout le montage à faire. Et si je veux que vous l'ayez ce soir même, parce que moi, je travaille en flux tendu. C'est-à-dire que nous sommes... Quelle heure? Donc, il est 16h quelque chose. Nous sommes mardi quelque chose. Donc, mardi 22. C'était la fête de la musique hier. Donc, je travaille à flux tendu. Le jour pour le jour. Donc, c'est... Sous l'eau. Sous l'eau, la fille. Mais j'aime tellement vous faire des vlogs et voir que vous aussi, vous appréciez. Donc, j'y vais. Je me lâche. Ça n'empêche pas de bosser à côté. Bon, je vous avouerai qu'il y a un certain rythme. Des fois, Eric, parce que maintenant, il est à côté de moi. Et vu que là, je vous dis, pendant une semaine, il est à la maison, il ne bosse pas. Ah, il se rend compte. Hein, il me dit, tu viens, on fait du chien. Non, j'ai pas le temps. Tu dis, ah, je n'ai pas le temps. Fais comme si j'étais dans un bureau fermé à 10 km de chez toi, parce qu'il me sollicite tout le temps. Pour faire un truc, vas-y, on fait une pause, on fait ça. Non, en fait, non, il n'y a pas. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous fais un gros bisou et promis, on se retrouve très vite pour un nouveau vlog.